Et Yomina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Rien, on se retrouve pour la suite de Persona. Persona 5 Royal. On est en train de réfléchir en même temps à un truc, c'est pour ça. Alors, là, on peut... On peut pas monter Kawakami. D'accord. À moins que j'ai une requête pour elle et que je n'ai pas faite, mais je n'ai pas de souvenir de pas avoir fait de pas avoir fait sa requête. À moins que je ne l'ai pas encore fait, le big boss du showbiz. Le producteur pervers. Donc, en plus, il s'appelle Akira, j'ai remarqué. Alors, c'est moi ou le producteur pervers s'appelle Akira? Eh, je suis pas un producteur pervers, hein. Ah non, c'est Shiro Asakura. Ah, j'ai cru ouvrir Akira, j'ai dit Renana et je suis pas un pervers moi. Allez, je suis pas un producteur pervers plutôt. Je pas dit que j'ai pas été un pervers. Oya. Oya, logiquement, ce sera notre... Oya, ce sera notre 10e cœur, si je dis pas de conneries. Enfin, notre 10e lien. Oya, c'est le 10e, si je dis pas de conneries, hein. Et bien sûr, c'est le 10e avec Oya. Eh ben, viens. Allons-y, Oya. Ah, en même temps, là, il y a un appel. Ok. Oui, remplace le dernier article. T'en fais pas. Quitte à faire ça, autant tout donner, non? Je vais virer les autres et les réécrire aussi. Oui. À demain matin, alors. Hein? Oui. C'était mon patron. Vous vous entendez mieux? Il est génial, il ignore les ordres des rédacteurs-chefs afin de m'aider. D'accord. J'écris un article spécial sur les voleurs fantômes et il m'apporte son aide. Il m'intéresse à leur origine et aux racines du problème qu'il s'efforce de résoudre. Je pense qu'il fera vraiment honneur à l'esprit journaliste. C'est du divertissement? Je l'ai fait passer comme tel. Parlant de choses sérieuses, c'est bien joué, non? Il faut que les gens rejettent le numéro pour que la vérité s'offre à eux. Les rédacteurs chefs étaient contre, mais nos lecteurs en veulent toujours plus. Et vu le nombre d'exemplaires qu'on a fait vendre, ils ne peuvent pas s'y opposer, ni à nous. On compte donc publier des articles supplémentaires tant qu'on pourra. Eh ben, je lirai le prochain numéro. Merci. Je compte encore sur ton aide pour vendre davantage d'exemplaires, tu sais. Allez, fais ton autre victoire. Voilà, j'espère que tu as du Dom Pérignon à nous servir. Je te l'ai dit la dernière fois. On n'en a pas. C'est ce que je me suis dit. Alors j'en ai commandé une bouteille chez un sommelier. C'est bon, je vais te la chercher. Incroyable, on dirait que Lala a compris le sous-entendu. Je voulais te parler en privé. Avec plaisir. Oh, détends-toi un peu, tu veux? Je me prépare aussi discrètement à écrire un article sur l'homme de confiance de Shido. Je vais découvrir la vérité. Je le jure sur la tête de Kaio. Merci pour une fois encore. À chaque fois que j'ai eu envie de tout arrêter, tu m'encourages à continuer. Si j'ai pu aller aussi loin, c'est grâce à toi. Monsieur le voleur fantôme. Putain, mais en fait, tout le monde va apprendre notre identité à la fin. La métanoïa de mon patron correspond exactement aux autres affaires. Elle n'aurait pas pu se produire à un meilleur moment. Tu es le seul à avoir pu la provoquer. Tu le savais depuis le début? C'était tellement évident. Au vu de tout ce qui se raconte, je suis convaincu que les voleurs fantômes sont de vrais héros. Aider les faibles, punir les méchants, c'est vraiment leur lutte. D'une certaine manière, on a le même but, toi et moi. Exposer les maux de la société. Alors je garderai ton identité pour moi. Unissons pour affronter le mal.
Sans toi, je n'aurais jamais pu redevenir la journaliste que j'étais. Mon informateur lycéen qui manipulait l'information a aussi manipulé mon cœur. Je vais faire en sorte que toi aussi, tu sois récompensé comme il se doit. Ok? En attendant, c'est à qui de dévoiler la corruption en premier? Ah! En fait, quand on monte le lien et qu'on avance bien avec eux, aussi final, ils devinent qu'on fait partie des voleurs, des voleurs fantômes, ou comme appelé en anglais, les fantômes CF. Bon. Rend les embuscades plus faciles, quel que soit le niveau de sécurité. Oh. Vous pouvez créer Belzébuth, la plus puissante personnage de la carte du diable. Belzébuth. Waouh. Ça sonne classe. Bon, où est passé Lala? Et si on commençait la fête, vu qu'on est déjà d'humeur? Je me demande si tu vas rentrer chez toi ce soir. Je vais te garder ici jusqu'au bout. Aucun refus ne sera toléré. Ok. On va rentrer, on va être sous comme un... On va être sous comme un pot. C'est un truc de ouf. Alors, écoutez un peu ça, j'ai trouvé ce sale type sur le fan site. Apparemment c'est quelqu'un de populaire, mais il a le pire des passe-temps. De quoi s'agit-il? Il aime regarder les filles se battre pour lui. Il s'est fait tout ça pour que ça dégénère. Certains ont été blessés ou même harcelés à l'école. Il fait du mal à d'énormément de personnes. Le pire, c'est qu'il essaie tout ça d'embroncher. Donc ça n'a jamais fait sans de scandale. Et il assume jamais les conséquences de ses actes. Il continue à faire ce qu'il veut. Ce petit enfoiré, il croit que toutes ses filles lui appartiennent. C'est horrible. C'est clair. C'est vraiment un abruti. Il faut qu'on lui fasse subir une métanoïa. Comme ça, ses filles pourront voir la vérité en face. On a déjà son nom. Il s'appelle Hikaru Aliara. On se rejoint à la planque pour les détails. D'accord? Ok, donc c'est encore une nouvelle enquête. La balade du bourreau des cœurs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est très bonne idée, Ftaba. On peut monter Ftaba Takemi. Allô, on la peut pas la monter. Allô. Eh ben, Ftaba, je vais dans la ruelle et puis on va un petit peu parler ensemble et tout, tu vois. Tout est bon, là. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre comme d'hab. Ah ben, on va quand même passer du temps avec elle. Bon, on fait quoi aujourd'hui? Allons dans un endroit sympa. Dehors? Où tu veux m'amener? Je crois que je suis prête à affronter les gens, si tu es avec moi, Akira. Eh ben, je vais t'amener... Est-ce que je sais pas... Je sais pas si je peux t'amener n'importe... Eh ben, on va t'amener à Akihabara. On sait que tu aimes cet endroit. Akihabara? C'est trop génial! Je suis trop contente, on va bien s'éclater, c'est parti. Bah, c'est vraiment le lieu pour elle, ça. Je suis au paradis. Honnêtement, je pourrais vivre ici. Attends, il y a une tonne de monde. Mais je reste excité comme une puce. Va voir, voir ça tout près, c'est mieux qu'en ligne. Allons passer voir ce nouveau portable ultra fin dont tout le monde parle en ce moment. C'est vrai qu'il était fin, mais ça reste décevant. On vantait son nombre de fonctionnalités, mais je ne vois pas grand chose. Tout ça m'est devenu un peu égal, tu vois ce que je veux dire. C'est décevant. Tout à fait. Ce n'est pas du tout ce que j'attendais de l'évolution de l'électronique. Enfin, il n'y a pas non plus de quoi déprimer. Et puis, il te vient rester un petit trésor d'électronique quelque part dans ce paradis. Partons en exploration avec ça. Commençons par le sous-sol. Cap sur l'escalator. J'ai beau connaître ça par cœur, je trouve ça toujours aussi cool. J'en ai déjà trois, alors non. Alors je t'en fais cadeau avec là. Une figurine héroïque. Ah, je vais regarder ça. Je vais regarder ça. On le mettra dans notre... J'allais dire on le mettra dans notre chambre dès qu'on peut, mais là on pourra parce qu'on va rentrer dans le... Dans le café. Donc...
On va monter l'électrode, on va monter, on va mettre ce truc là. Alors, on décore. Fontaine de chocolat, je l'ai mis. Tasse à thé décorée de sushi. On peut la mettre. Voilà. Ramène on a mis. Poupée nudibranche, je sais pas si on l'a mis. Ah bah si, c'est le petit truc en haut à gauche. Et la figurine héroïque. Oh. Ça me fait penser style au perso de Sailor Moon, là, le petit justicier avec, avec son long chapeau. Ça fait vraiment penser au héros. C'est tellement ça. C'est abusé. Bah on n'a rien d'autre à faire. Kawakami. Bah, il y a marqué qu'on... Attends, le samedi soir, on peut pas l'appeler, elle. Enfin, si elle est imaginée, c'est qu'elle est dispo, non? Ah bon, j'ai pas assez de courage ou quelque chose que je n'ai pas. Attends. Ah, elle fait une pause en ce moment. Ok, d'accord. Et là, il pleut. Donc, si je vais dans les bains publics, vu qu'il pleut... Ah non, ça me fera pas plus de charme, mais on va le faire quand même. On a besoin aussi de charme. Donc autant l'augmenter. Voilà, c'est vrai que ça donne du courage. Donc on va prendre ça. Ça peut toujours être utile. Qui c'est qui est fan de moi aujourd'hui? Là-bas. Ok, tu es libre, hein? Tu as de la chance, moi aussi. Maintenant que j'ai résolu... Et que j'ai résolu ça, il y a quelque chose à te dire. Quand tu voudras, tu sais que c'est un moment difficile pour toi, mais... On pourrait savoir? Ok. Je vais faire ça après. Donc, on va aller voir... Tabac dans la ruelle. Futaba veut me voir et qui d'autre? Takemi. Ouais mais Futaba est pas tout le temps libre donc on va... On va parler avec Futaba. Tout est bon là. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre comme d'hab. Ok, est-ce que tu veux parler? Avec Futaba je suis... Avec Futaba je vais être neuf. Ok, pas du dans avec elle. Parce que avec Takemi, j'étais combien en y pensant? Takemi, j'étais 9 ou j'ai... Non, j'étais pas full avec Takemi. J'étais... Ah, oh, je sais plus. 8 ou 9. On n'arrête pas de s'envoyer des emails, Kana et moi. Elle aimerait bien retourner à l'école l'an prochain, mais elle n'a pas l'argent. Moi, en revanche, je vais y retourner, c'est sûr. Tu as vraiment mûri. J'ai l'impression d'avoir gagné 50 niveaux. C'est grâce à toi, Kira. C'était dur l'école primaire, mais j'ai aussi rencontré Kana. Alors, c'était pas facile au final. Ce sera pareil au lycée, même si ça me plaît pas, tout ne sera pas noir. Mais, j'ai encore quelque chose sur ma liste. Savoir me débrouiller sans toi. Très franchement, je me sens un peu bizarre ces derniers temps. Mon cœur s'emballe quand on est tous les deux. Et quand tu n'es pas là, je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Tout va bien, Futaba? En fait, c'est une sensation étrange, mais c'est plutôt agréable. En fait, je peux te demander un service assez important. On pourrait oublier la dernière ligne de la liste? Si tu veux. Trop cool. Je pensais que tu allais m'en vouloir. Je me sens mal quand tu es loin de moi. C'est comme s'il y avait un manque dans ma vie. Enfin, pas exactement, mais... Je sais pas. Elle est en train de tomber amoureuse. Akira, tu es tellement gentil avec moi. Un peu comme Soichiro. Mais lui, c'est normal, c'est un peu comme mon père. Mais pour toi, c'est différent. Pourquoi tu es aussi gentil? Ah, ça sent le truc qu'il faudra que je passe pas de conneries parce que je sors déjà qu'une fille. Je me disais juste que peut-être je suis la seule que tu traites comme ça.
Voilà. Pourquoi Kira? Parce que je t'aime. Parce qu'on est coéquipiers. Des coéquipiers? Bien sûr. C'est normal de se comporter comme ça entre coéquipiers. Je suis bête. C'est sûrement pour ça que mon cœur s'emballe toujours autant. Il sait à quel point je tiens à mes coéquipiers et à toi en particulier, Akira. À partir d'aujourd'hui, je vais me dévouer corps et âme pour aider l'équipe. Voilà. Je peux invoquer un allié en réserve lorsque il y en a moins de ou on sent moins KO. Ok. Bon, moi c'est fait. Ça va être super. Elle va faire un topé là. Yeah! Oh mon vaillant héros coéquipier. Akira rejoint le groupe de Futaba. Futaba sourit à Akira. Futaba lance une attaque. Akira me subit des dégâts critiques. Une seconde. C'est pas vraiment ce que les coéquipiers sont censés faire. Accompagner Futaba. Oh là là. C'est Akira, je voulais te demander quelque chose. Dis-moi. Tout à l'heure, tu as dit que j'étais ta coéquipière, mais c'est un peu vague, non? Tu pourrais préciser quel genre de coéquipière je suis pour toi? Tu es une vraie amie. Ah, ça fait plaisir, je suis dans le top du classement. Oh, comme des âmes sœurs. Je ne savais pas que je comptais autant pour toi. Ça fait plaisir d'être ta coéquipière. On a un lien spécial, tu sais. Peu importe la distance, nos cœurs sont reliés entre eux. Attends, peu importe la distance? Ça veut dire que... Oh désolé, je me suis perdu dans mes pensées. Enfin bref, toi et moi on fait une super équipe. Je dois y aller. Salut! Sacré Futaba, franchement. Mais elle est adorable. Mais sacré Futaba. Sacré Futaba. Les élections ont lieu ce week-end. Les voitures des partis font tellement de bruit. Ils vont finir par me faire stresser. Ça ressemble plus à une grosse fête qu'à des élections. Ouais, une super fête en l'honneur de Shido. On ne peut plus parler de partisans, c'est carrément une secte à ce stade. Je crois que j'ai enfin trouvé ce qui cloche dernièrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Les histoires qui n'ont aucun rapport avec Shido sont à peine relayées. C'est tout ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui intéresse les gens. Comme si tout le reste n'existait plus. Est-ce qu'il aura fait subir un lavage de cerveau? Une sorte de manipulation mentale, ça ne semble pas impossible, vu les circonstances. Privés de leur libre arbitre, les gens sont libérés de leur devoir et de leur angoisse. Et Shido devient un idéal en qui ils peuvent croire. Il ne reste plus qu'à lui faire confiance pour qu'il leur apporte le bonheur. Je n'arrive pas à y croire. Quoi qu'il en soit, on doit faire tout ce qu'on peut. Ouais. On doit faire tout notre possible pour y arriver. Est-ce qu'on augmente notre gentillesse ou la connaissance? Ouais, on peut étudier pour augmenter la connaissance. Si on a la connaissance au max, il y a peut-être des chances qu'on peut finir le Big Bang Burger. Donc je veux monter ma connaissance. Quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, on y arrivera. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on avance et on verra ce que ça donne. Comme ça, au moins. Bon, là, c'est... L'élection aura lieu à la fin de la semaine. C'est ça? En tout cas, Shido va gagner. Je n'ai demandé l'avis de personne sur l'élection. Mais quoi qu'il arrive, elle semble aller dans la bonne direction. En un clin d'œil, Shido s'est mis tout le monde dans la poche. Il a si bien verni le peuple que personne ne s'en rend compte jusqu'où va son influence. Elle va énormément trop loin surtout. Espérons que ça va pas trop loin et qu'il se mette pas vraiment tout le monde dans sa poche comme il dit. Hein. On peut peut-être parler à Takemi pour histoire d'augmenter un petit peu notre... Histoire d'augmenter notre lien avec elle, ce serait peut-être le mieux à faire. Comme ça au moins c'est fait. On l'invite à manger. C'est ce qu'on fait de mieux comme nourriture pour le mélange.
Le principe actif passera avec la nourriture, et la cuisson me permet de voir sa réaction à la chaleur. Je m'occupe de tout. Détends-toi et regarde. Oh, tu cuisines... Waouh, tu cuisines pour moi. J'imagine qu'on peut voir ça comme ça. Tâche de tout manger. D'abord, essayons un monja nature. Oula. Et quand tu parles de dosage, t'as pas trop confiance, hein. Je ne disais que des condiments, mais ce n'est pas mal, hein. Disons que c'est un moyen de te remercier de m'aider à développer le remède aussi vite. Quand j'ai réfléchi à ce que je devrais cuisiner pour toi, c'est l'idée qui m'est venue. Tu as envie d'essayer autre chose que le monja? Ok, rentrons à la maison. Franchement, ça a été cool, là. Donc, la prochaine fois, on augmente Takemi. Et je crois qu'on est 9, voire 10 avec elle. Ah, il y a mon collier en à droite. Tu as reçu un nouveau colis. Ouais, je viens de le voir, il est à droite. Donc ça, c'est tout ce que j'ai commandé. Balestay. Voilà. Ouais, Soujiro, t'inquiète, hein, j'ai commandé plein de trucs pour moi. Ouais. Il y a Ifumi qui voulait nous parler, mais je ne pense pas qu'on aura le temps de la monter à fond. Enfin, peut-être. En tout cas, ce soir, je veux réviser. Je suis prêt chaud du cul à réviser. Donc, désolé pour toi, Ifumi. La révision passe avant tout. De toute façon, je suis proche du niveau max en termes de connaissances. Donc, je vais pas louper ça. Alors, tu devrais pas... Non, pour l'instant, on va pas parler de la cible ou même manteau. Pour l'instant, on s'en fout. Voilà, vous entendez peut-être le chat qui est en train de miauler depuis tout à l'heure. Je crois qu'il a envie de se faire défoncer la gueule. Bien sûr, je rigole. Attendez. Temple. Bon, on va augmenter les PC. On va augmenter nos PC max au temple. Hein. Là, on a personne vraiment qui augmenter. Donc, on va purifier notre cœur. Dans la tranquillité, logiquement. Mais si vous entendez le chat là... Bizarrement, il ne miaule pas. Eh, tu veux pas miauler un coup? Bizarrement, quand je lui demande de miauler, il miaule pas. Et c'est un bâtard, ce chat. Voilà, dans la tranquillité. Voilà, maintenant il a vu. Maintenant il se met à miauler. Je crois que je peux pas lui demander de miauler sur commande. Je crois que ça marche pas comme ça. Alors, donc... Maintenant... Ah bah, on m'appelle sur le téléphone. La pauvreté de Shido est incroyable. À moins qu'il ne passe aux aveux, il n'y a pas de raison que ça change. Les gens ne croient que les histoires de Shido qu'ils leur racontent, que les histoires que Shido leur raconte. Dans ce cas, nous avons bien fait de soumettre à une métanoïa. Nous avons pris la meilleure décision possible. Pas vrai? En admettant que la métanoïa est bien fonctionnée. Oui, nous n'avions pas d'autre option. Quoi qu'il en soit, la situation reste préoccupante. Restons confiants. Ça craint qu'on ne puisse rien faire de plus. J'imagine que nous ne pouvons rien faire de plus à part attendre les élections. Ouais. Monsieur, vous pouvez pas vous débarrasser? Merci. De toute façon, là, je pense que je ne peux parler à personne. Soujiro, il me manque quelque chose pour pouvoir lui parler. Ma gentillesse doit être au niveau angélique. Il faut que je monte aussi ma gentillesse. Donc en gros, faut que je lave les chiottes aussi. Allez. On va monter. On va laver un petit peu les chiottes. Hein. Parce que ça aussi, je le fais souvent. Donc je vais peut-être monter à max. Bah peut-être bientôt à max. Ça se trouve ma gentillesse et ma connaissance sont bientôt à max. Donc on va faire avec. On va avancer et on va faire avec. Est-ce qu'on a le choix? Non. Donc on verra bien comment ça se passe. J'ai même pas regardé, il reste combien de jours? Je sais pas. On va regarder. Il reste 4 jours. Bah ça va. 4 jours. Futaba, on peut la monter. Et ben on va monter. Mais j'ai cru que la prochaine fois, je croyais que la dernière fois, le prochain rendez-vous avec Futaba, je pouvais la monter. À moins que... Ah non, bah non, c'est ce que j'ai déjà fait. C'est Takemi que je pouvais bientôt. Donc Futaba, si je le fais, je peux bientôt la monter. Donc on va juste passer du temps avec elle dans un endroit sympa. Allez tiens, au parc. On va au parc ensemble. Direct. Comme ça.
Il y a beaucoup trop de monde à Kichishoji. Les rames de métro étaient bondées. C'était pareil dans les rues. Trop de monde. Alors... Tu t'en es bien sorti. Ouais, on va essayer de l'encourager quand même. Je m'en sors nettement mieux qu'à une certaine époque. Honnêtement, je suis contente d'être ici, Akira. La dernière fois que je suis allé dans un parc, c'était avec ma mère et Sugiro. À l'époque, ma mère disait qu'on pouvait découvrir des choses intéressantes où qu'on y allait. Ça m'est revenu dernièrement. Du coup, j'apprécie le nouveau extérieur et... J'apprécie aussi des nouveaux l'extérieur. Et je suis avec toi. Ah, le calme de cette atmosphère est tellement pesant. Je me demande s'il y a des découvertes à faire dans le coin. Marchons un peu. Ah. La prochaine fois qu'on va parler avec Futaba, ça va monter le lien à 100%. Parce qu'on était avec 9 Futaba. Et Takemi, je sais pas combien on est, mais elle aussi, ça a amélioré. Oh, ils sont encore là? Alors, ceux qui ne soutiennent pas Shido ne sont pas de vrais japonais. Qu'est-ce que tu dis? Ça fait partie des commentaires que j'ai entendus en ville. C'est pareil en ligne. Tout le monde dit la même chose. C'est n'importe quoi. L'enthousiasme public s'est transformé en une sorte de foi aveugle. Il est peut-être préférable qu'aucune information n'ait circulé sur son suicide. Sur ton suicide. Probablement. Qui sait ce qui aurait fait à Akira s'il avait compris qu'il était encore en vie? À l'heure actuelle, la situation pourrait dégénérer très rapidement. Le pays ressemble à un ballon trop gonflé qui menace d'éclater. C'est complètement hallucinant. Les gens ont pété les plombs. On dirait qu'ils ont un véritable culte à Shido. Qu'ils vouent un véritable culte à Shido, c'est carrément surréaliste. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi à fond. Toi, je t'ai écouté, non? Voilà. Allez, en priorité, on augmente quoi? La gentillesse? Pour ce Jiro? Comme ça. Si on peut avoir une gentillesse à fond, moi je dis que ça vaut complètement le coup. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'on arrivera à l'avoir à fond maintenant. Je pense que ça va être très très chaud et en plus il neige. Alors là, en plus, je me suis dit au pire, on va dans les bains publics, mais dans les bains publics en hiver, je pense pas que c'est le truc le plus conseillé. Honnêtement. Ah, un essai clinique de Takemi. Eh ben allons-y. Allez. Comme ça au moins, Takemi, la neige est un vrai calvaire. Les gens n'arrêtent pas de se blesser. Tu as décidé de venir parce que tu as reçu mes messages? Je veux faire un essai clinique. Alors, je n'ai pas besoin de toi, mais tu tombes bien. Entre. Alors donc là, avec Takemi, on va être à... Si j'ai bien vu, on va être à 10 avec Takemi. Donc allons-y. Allons-y. Au moins comme ça c'est fait. Dites docteur, c'est important d'être la première à aimer quelqu'un ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un garçon que j'aime bien. Mais ma copine m'a dit que je devais lui laisser, parce qu'elle l'avait bien aimé en première. Oh, ce n'est pas vrai du tout. Vraiment? Alors pourquoi dit ça? Sûrement parce qu'elle est jalouse de toi. Fais attention, ça peut vraiment dégénérer. Dégénérer? Cette fillette va beaucoup mieux, à tel point qu'elle se m'a parlé de garçon. Elle vient même en dehors des rendez-vous, on dirait qu'elle est quasiment guérie. Ce qui me rappelle que le nouveau traitement sera bientôt au point. Tes résultats ont été très utiles grâce à ta corpulence moyenne et à ton absence d'antécédents. Tu étais le meilleur des cow-boys, enfin des participants. Alors merci encore. En fait, et moi j'ai été utile? Dans tes escapades avec les voleurs fantômes, j'entends? Je m'en doutais, putain, mais tout le monde le sait à la fin. Pardon? Allez, nous savons tous les deux que tu m'as menti au sujet de tes examens d'entrée. Je suis allé voir Oyamada en prison. Un tel revivement ne peut venir que des voleurs fantômes. Et il est si bien tombé. En toute évidence, il ne peut s'agir que de toi. C'est fou. Eh bien moi, je m'en fiche.
La vérité, c'est que sans toi, je ne serais jamais parvenu à accomplir ma mission. Je n'aurais jamais terminé ce nouveau traitement et Oyamada aurait réussi son coup. Et je n'aurais jamais rencontré tous ses habitants. Je parie que les voleurs fantômes sauvent les gens dans le besoin, comme les médecins, pas vrai? Alors je ferai n'importe quoi pour toi. Je te préparerai des médicaments encore plus efficaces. Je suis sûr que tu sauras en faire bon usage. Oh yes! Là ça va être bon là. Alors elle, qu'est-ce qu'elle va donner comme persona? Enfin comme persona ultra puissant de l'arcane. C'est de l'arcane en plus, c'est laquelle? Arcane de la mort. Un truc de faucheuse. Ajoute des articles de réanimation à l'inventaire du cabinet médical. C'est fou ça. Vous pouvez créer Alice, la plus puissante persona de l'arcane de la mort. Rien que le nom, ça doit être vraiment stylé. Alors attends, là on a monté au niveau max Takemi. On a monté Oya à fond. Et là on est bientôt proche de monter Ftaba. Peut-être même dans cet épisode. Mais ça ne sera pas gratuit. Ce sera trop ouf franchement si on arrive à monter aussi Ftaba dans celui-là. Alors je te conseille de te faire un peu d'argent au nom de la justice. Allez, va-t'en. Prends soin de toi. Putain, c'est fou quoi. C'est un truc de ouf. Donc là je peux pas monter. Là ça sert plus à rien, j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait. Ah il y a des clients donc je peux pas passer les toilettes. Je peux pas aller aux toilettes s'il y a des clients. Voilà, comme ça on peut récurer les chiottes. Et ça augmente un peu de lien avec ce Jiro parce qu'il est content à chaque fois que je dis que je vais passer les shots. Et que je vais laver, le bas. Il est content. Voilà, et quand c'est proche de la fin de l'épisode, enfin qu'on s'en rapproche plus, mon chat il est en train de s'installer pour dormir. Il voulait juste me casser les cacahuètes pendant mon épisode. C'est... Non mais c'est où ça franchement? Les animaux ils sont... c'est des fous. Je peux monter Yusuke ou Haru. Ah non, Haru je peux pas encore. Il me manquait quelque chose pour Haru, c'est vrai. Eh ben... allons voir Yusuke. Alors Yusuke, j'étais avec lui à 3 ou à 4 à peine. J'étais pas loin avec Yusuke, on venait de commencer. Voilà. Je vais être à 4 avec lui. Allons-y. On va aller où là? Ouais, c'est pas un rendez-vous ce... fait pour les garçons et filles. Enfin, garçon et une fille. Pas deux garçons, ça fait peut-être pas un peu bizarre. Merci pour ton aide, ça aurait été compliqué de dessiner tout en ramant. J'aurais dû amener une fille. J'aurais dû amener une fille. Une fille? Tu as une petite amie? Tu aurais pu me le dire. J'ai raté l'occasion de profiter d'un ravissement modèle. D'un ravissement modèle. En tout cas, je te remercie pour ton aide. L'endroit est idéal pour trouver mon prochain sujet. Regarde les canards. Ils sont trop choux. N'hésite pas comme ça, tu vas tomber à l'eau. Parfait, j'ai trouvé. Ma précédente toile ne représentait qu'un seul aspect du cœur, le désir. C'est pour ça que mon tableau était incomplet. Aujourd'hui, je vais peindre un deuxième aspect, la passion entre un homme et une femme. Le thème du jour est donc les merveilles de l'amour. Sache que tu vas jouer un rôle crucial. Pendant que je dessine, assure-toi que le bateau reste le plus stable possible. Cet angle. Incroyable. Ce profil timide, ses yeux embués, leur passion est évidente. Il m'évoque Adam et Ève. Et un jour, les amants découvrent tout la douleur de leur séparation. Ceci est l'issue naturelle de toute relation. Mais malgré tout, l'amour continue d'exister. Le voilà, la vérité du cœur des hommes. Ce tableau va être sublime. Il éblouira ceux qui le regardent. Et gagnera peut-être même un prix. Allons, je ne dois pas laisser aller les attentes aussi triviales. Ouais. Vous pouvez arrêter de bouger. Quoi? Reprenez la position que vous avez à l'instant. Je dois capturer votre profil. Non mais, vous faites quoi là? Réchouez-vous. Car grâce à moi,
Votre amour sera préservé afin d'inspirer la génération à venir. Une fois mon tableau terminé, vous entrerez dans la légende. Vous entrerez dans la légende, telle des Adam et Ève modernes. Dans la légende? Un tableau? Il est pas net ce type, faut le signaler à la police. Attendez là, vous êtes en train de nous dessiner? Quoi? Vous vous servez de nous comme modèle? Un homme et une femme voguant sur la barque des rêves. Les joues rouges, le regard timide. Oui, c'est l'amour que je cherchais de toutes mes forces. L'amour? Oui, on peut appeler ça comme ça, mais bon. C'est bizarre, quoi. C'est de l'amour familial, on est frère et soeur. Je t'avais dit que je voulais pas venir ici avec toi. C'est pour les couples, ce truc. Mais moi, je voulais pas amener Yusuke, je voulais amener une fille. Mais j'ai toujours rêvé de venir à Tokyo et de louer une barque. Bien sûr, j'aurais préféré que ce soit avec mon copain, hein, pas avec mon frère. Familial. Alors cette passion dévorante n'était que le fruit de mon imagination. Mon désir artistique m'a empêché de voir la vérité, semble-t-il. L'amour a plusieurs formes. L'amour a de multiples facettes. Voilà qui prouve à quel point ma perspective peut être limitée. L'amour romantique et l'amour familial, les deux diffèrent-ils tant que ça? Peut-être que l'essence du cœur se trouve dans les yeux de celui qui l'observe. Akira, je crois que j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Bon bah voilà, t'es content? Permet de relancer des négociations ratées avec une ombre solitaire. Merci. Il n'y a que les couples qui louent ces bateaux. Hein. Ça veut dire que ces deux garçons... Non. Chut, les gens ont l'esprit ouvert dans cette ville. Oh, dis-moi plus. Que veux-tu dire? Enfin bon, il est temps de rentrer. Ramène-nous sur la rive, Akira. Bah oui, ils croient que lui et moi, on est... Non. Non, moi j'ai Anne, donc non. Non. Merci pour ton aide aujourd'hui, Akira. J'ai réalisé que j'ai manqué d'expérience. Il semblerait que je ne comprenne rien à l'amour, en fin de compte. J'ai beau avoir fait des progrès. Je sais qu'il me reste encore bien des obstacles à surmonter. Est-ce que je serai un jour capable de saisir la nature humaine? De la peindre? Ne baisse pas les bras. Tu as raison, je ne compte pas abandonner. Je ferai tout ce que je peux pour surmonter cela. En tout cas, ce fut une journée productive et je suis impressionné par tes talents de rameur. J'espère pouvoir compter sur ton aide la prochaine fois. Au revoir. J'ai vraiment pas de chance. Je me disais qu'ils allaient se... Je sais pas, je me disais, ça se trouve, ils vont nous soupçonner de quelque chose. Et au final, ça a été le cas. Ils nous soupçonnaient d'être ensemble. Hein. Bon, y a rien d'avoir dehors, donc... on va continuer à faire les toilettes. Voilà. Allez. Ma passion pour laver le parterre et faire des chiottes. Yes! Votre gentillesse a augmenté de altruiste à angélique. Yes. Ah, franchement les amis, moi pour moi c'est l'épisode du bonheur. Deux rangs max. Un rang max en termes maintenant de stats social. Il manquerait plus que je puisse monter Futaba avant les derniers jours. Ce serait juste insane. Et je pourrais jouir de mon talent. Mais c'est pas le cas. Parce que ça arrivera pas. Bon. Ah si! Si! Je peux monter Futaba. J'ai cru qu'il fallait m'envoyer un message. Mais non. Futaba. On peut monter notre grade au max. Parce que logiquement, c'est au max avec elle. Oui. Ah, je suis content. 3 rangs max. 1 stat social à max. Et franchement, les amis, on peut pas faire mieux pour cet épisode. En termes de rang, c'est énorme. Je vais aller faire un petit tour de mon côté. Si je ne suis pas là de retour dans 30 minutes, j'aimerais que tu m'attendes ici. Je suis un peu nerveuse, mais allez, il est grand temps de se bouger. Allez, ma belle, tu peux le faire. Ça fait déjà 30 minutes. Et il est toujours pas là. Ça fait 45 minutes que Futaba... Ça fait 45 minutes que Futaba est parti. Je commence à m'inquiéter. Désolé, je n'ai pas vu l'heure.
Je m'amusais. Ah bah ça s'est bien passé. Ça veut dire que j'ai rempli ma mission, non? Largement. Le quartier n'a pas vraiment changé, mais tout me semblait différent. Ça me fait pareil dans les autres endroits. J'explore un nouveau monde et je fais des découvertes chaque jour. La mèche de Sojiro, l'atmosphère de Ryongen, les différents grains de café. C'est peut-être pareil qu'avant pour vous, mais de mon point de vue, tout est différent. Je savais que c'était possible, mais je n'avais encore jamais rien éprouvé de tel. J'espère que je vais continuer à mourir petit à petit, comme tout le monde. Prends ton temps. Ouais, je vais y aller à mon rythme. En fait, j'ai reçu un message de Kana. Elle a trouvé un petit boulot dans une supérette. Je crois qu'elle est contente de vivre une vie d'ado normale. En plus, elle a pu se payer une remise à niveau et elle va passer l'examen d'entrée au lycée. Elle aussi, elle fait de son mieux pour réussir. Tu cherches un boulot toi aussi? Le plus important pour l'instant, c'est les voleurs fantômes. Mais oui, j'y pense. Eh, tu as dit quelque chose qui... Eh, tu as dit que je me donnerais... Que tu as dit que tu me donnerais une récompense si je terminais ma liste, tu te souviens? Je tiens toujours parole. J'en attendais pas moins de toi. J'ai fouillé à droite et à gauche pour voir ce que je voulais acheter, mais c'était bizarre. J'ai eu plein de trucs dont j'avais envie, mais j'aurais pu me les payer en travaillant vraiment dur. L'important, c'est que j'ai enfin quelque chose que je n'aurais jamais pu obtenir seul. Tu ne crois pas? Non. Tu as oublié? Tu m'as donné quelque chose d'inestimable. Tu m'as redonné le goût de vivre. Oh, c'est trop mignon. C'est grâce à toi que j'ai repris confiance en moi et que je crois à nouveau en ma mère. J'étais morte, mais tu m'as ressuscité. J'espère que mes actions auprès des voleurs fantômes suffiront à rembourser ma dette. Quand je pense à mes amis, c'est comme si rien ne pouvait m'arrêter. Ah bah son truc il va augmenter. Enfin sa persona va aussi évoluer derrière, comme les autres. Venu à une attaque fatale visant un allié. Ça c'est bien. Transforme la persona en trickster légendaire. Elle a donné deux choses au rang max tout d'abord. Deux choses. Merci. Merci. Vous pouvez créer Ongyoki, la plus puissante persona de l'arcane de l'ermite. Et maintenant, l'évolution de la persona de Futaba. À quoi elle va ressembler? Parce que déjà, c'était une soucoupe volante, hein. Vraiment les vieilles soucoupes volantes que j'adore. Et maintenant, ça va être une... boule? Ah non, elle a un visage, elle a un sourire et deux yeux. Ouais, mon cœur a gagné un niveau. Je renais de mes cendres. Ouais, ouais, c'est ça, c'est une sorte de bombe ou de boule, avec deux yeux et un sourire. Mais il ne clignote pas, hein, c'est juste gravé dessus. Mais c'est stylé. Merci. La persona Necronomicon s'est transformée en Prométhée. Stylé. Ultra stylé. Tu m'as ramené à la vie. C'est à moi de tout risquer pour toi maintenant. Tu peux me demander ce que tu veux, je ferai de moi maximum pour t'aider. Je plaisante pas, hein? Je compte sur toi. Je m'en occupe. En fait, crois pas que je vais oublier ma récompense comme ça. Voyons voir. Qu'est-ce que tu dis d'un mois de nouilles instantanées? Ça le fait, non? Mais je préfère aller acheter ça dans un magasin plutôt que sur le net. J'ai envie de profiter de ma nouvelle liberté. Merci, Akla. Je vais payer un an. Un mois, c'est ça? Un mois de nouilles instantanées. Chasseur de trésors, ça fait quoi? Révèle à l'avance si un ennemi possède un objet rare. Oh, bien! Bien! Ça, ça peut être cool. Donc c'est demain qu'il y aura la métanoïa de Shido. Et je me suis dit, ouais, le portable va sonner obligatoire. Tout ce que je vois, c'est élections par-ci, élections par-là, c'est un genre de festival. Les candidats mettent des bouchées doubles. Après tout, c'est demain qu'on va aux urnes. Toujours pas de nouvelles de Shido, hein. Cet enfoiré aurait-il décidé de tout abandonner? Vous croyez qu'on devrait s'inviter au milieu d'une autre émission de télé? Bonne idée. Attendez, nous devons éviter de nous faire remarquer. Il va certainement faire une déclaration après les élections. Quand ça? Probablement après l'annonce des résultats, demain soir. J'espère sincèrement qu'il reconnaîtra ses crimes.
Oh oui, bah j'espère aussi. J'espère aussi. C'est qui l'entraînement Shogi? Ah non, là je vais réviser ce soir. Je sais, je suis chiant en ce moment, mais j'ai envie de réviser. Et donc, Sojiro, je peux même le monter logiquement. Voilà, Sojiro est débloqué. Sojiro, j'ai combien en confident avec Soji? Soji. L'arcane du pape, Sojiro, 6, donc je peux le passer à 7. Donc je pense qu'on parlera à Sojiro la prochaine fois pour passer la soirée même, au lieu de réviser. Les amis, on va se laisser là. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour la suite de Persona 5 Royal. Ciao, ciao, Mina.